Bonsoir Mick, je ne sais pas si tu m'entends. Bonsoir, bonsoir, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Je ne te vois pas, je ne t'entends pas. Je vérifie le son de mon côté. Je devrais t'entendre, mais je ne t'entends pas, je ne te vois pas. Ah, ça vient peut-être. Non. Active ton micro est coupé. Allô, oui. Oui, bonjour. Bonsoir, Bonsoir. Bertrand. Ça marche, tu vois? Ça, ok, bah en tout cas, je ne te vois pas, mais je t'entends, donc c'est le Oui, principal. j'ai que le micro, en fait. Ah, J'avais une d'accord, ok. coupure. C'est La normal. dernière fois, il y avait une coupure, c'est pour ça. D'accord. Par contre, je ne t'entends pas très fort, mais bon, je vais tendre l'oreille. Oui, bon. Bah, J'aurais c'est un petit micro de... dû prendre mon Sonodone. Ça doit être pour ça. Voilà. Bon, alors on va commencer. Donc, voilà. Une autre personne qui arrive. Bonsoir Carmen. Alors règle ta caméra et ouvre ton micro. Là j'ai figé apparemment. Ça se situe en bas à gauche. Le principal c'est que je vous entends. Si on ne se voit pas, c'est pas très grave. On va surtout voir la partition. Oui. Bon, j'attends que Carmen ouvre son micro. On va commencer, il est déjà 20h35. Alors, je partage la partition. Voilà. Donc en fait, ce que nous avions fait jusqu'à présent, donc c'est que donc il y a 2 semaines, on a commencé à composer un tube. On s'est servi en fait d'un morceau une chanson qui s'appelle Embraceable You. De Gershwin, des frères Gershwin en fait. Et donc on a commencé à écrire une mélodie, alors non pas en essayant de plagier Gershwin, surtout pas, mais en regardant ce que lui fait et en comprenant sa démarche au niveau de l'écriture. Et en adaptant ce qu'il a fait à nos propres mélodies. C'est ce qu'on a fait. Donc on n'a pas beaucoup avancé parce qu'on avait parlé de toutes les, enfin, plusieurs démarches pour pouvoir composer. On s'est mis d'accord sur le fait de reprendre la grille complète de Embraceable You et de s'en servir pour composer notre propre mélodie. Bon, alors, je vais juste rejouer ce qu'on a déjà composé. Et donc là, l'objectif, ça va être de finir la composition et peut-être d'en commencer une autre si on a le temps. On est ensemble jusqu'à 22 h. Donc là, ce qu'on a composé jusqu'à présent, c'est ceci. On fait ça. C'est pas terminé. Et là, ce qui nous manque maintenant, c'est une phrase qui nous permette de terminer le thème en fait. Donc tout le thème, c'est ce qu'on a
La partie A du thème, en fait, c'est ce qu'on vient d'écrire. Et là, il faudra une phrase de fin. Bon. Sachant que si on reprend l'exemple de Gershwin, en fait, il recommence une phrase à partir de mi mineur 7. Donc, il fait une phrase de conclusion, en fait. Voilà. Donc, à nous d'essayer de trouver quelque chose qui nous permette de terminer le thème. Donc, j'attends vos propositions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait exactement? Il fait des choses un petit peu différentes. Bah, il reprend, en gros. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe dans cette partie-là, il reprend à peu près la même mélodie. Et ensuite, il reprend un peu le début. En fait, il fait un mix entre ces deux-là. Et puis, il termine un peu différemment. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on essaye de. Si on essaye de suivre le même cheminement que lui, de reprendre quelque chose qui ressemble un peu à ça et qui se termine. Et ça doit se terminer. Donc, on doit recommencer ici. Ça doit se terminer ici. Il y a quand même quatre mesures à écrire. Le fait de répéter, ça peut être intéressant, ça permet de mémoriser Oui. la mélodie. Oui, parce que c'est vrai que depuis le début, c'est assez varié comme mélodie et je suis pas sûr qu'on retienne tout. Mais oui. Carmen, tu as le son? Oui, bonsoir Bertrand, je n'ai pas vous te déranger. Non, mais il n'y a pas de souci. Bonsoir. Oui, on est avec Mick, je ne sais pas si tu le vois. Oui, j'ai vu, c'est écrit sur l'écran. Ah, d'accord, je n'étais pas sûr Merci. que tu voyais les noms des gens. Parce qu'il y a des options sur Zoom où des fois on peut masquer les vidéos de ceux qui n'ont pas de. Enfin, les noms de ceux qui n'ont pas de vidéo. Bref. Donc, oui, alors j'ai eu un mot de Pascal qui me demande de l'excuser de son absence. Elle est malade. Ah mince. Elle roulait au lit, là, elle est vraiment trop mal, donc elle a besoin de repos. Donc, bien sûr, elle est tout à fait excusée. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Par contre, les autres qui devaient être là ne sont pas excusés. Ils seront donc punis. les deux autres. Alors, donc, non, on devait être 6. Ouais, c'est ça. Normalement, il devrait être 3 de plus. Ouais, c'est pas grave. On va dire les meilleurs sont là déjà. Alors, Voilà. donc, reprendre quelque chose qui ressemble au début. Alors, on reprend quoi? Le début de la mélodie, peut-être. Ce serait pas mal. Et on termine différemment, quoi. Par exemple. Alors, sachant que sachant que dans toute la partie qui suit, c'est-à-dire à partir de Fa 6 jusqu'ici, en fait, on va reprendre quasiment la même chose qu'au début, quoi. C'est Oui. presque un copier-coller, donc c'est peut-être pas la peine de refaire exactement la même chose juste avant, quoi. Ah oui. Mais on peut. Il y a un sifflement là, ça vient d'où? Ah, je sais pas de chez. Oui, j'entends. Je vais peut-être couper mon micro quand Bah, vous sinon, on finissez. voit plus tard. Ouais, ça vient de chez toi. Bon, bah, c'est pas grave, mais si tu as quelque chose à dire, ouvre-le et hop, tu fermes aussi tout. Pour essayer de déranger Je coupe, mais il y a toujours le sifflement. toi. Ouais. Non, là, quand tu coupes, on n'entend plus le sifflement. Mais. Bon, enfin, c'est pas grave. Non, mais on sait que ça vient de chez toi, en tout cas. Ça me dérange pas plus que ça, hein. C'est juste que je me posais la question, je me demandais où de ça venait. Donc, alors, comment est-ce qu'on finit cette mélodie? Là, on a fait do, ré, la. Il faut aller jusqu'à la mesure 18. Aller jusqu'à la double barre, en fait. Voilà, double barre, oui. Donc, D'accord. alors ce qu'on pourrait faire, parce qu'en fait, ce qu'on a fait, alors c'est juste une proposition, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Là, je vais reprendre ici. Donc, ce qu'on a fait, hein, c'est que on a commencé avec cette mélodie. Après, on a repris quelque chose qui ressemble un petit peu, qui termine un peu différemment, mais c'est presque la même chose. Donc là, on pourrait peut-être faire à peu près la même chose avec ça, c'est-à-dire reprendre à peu près ça et puis varier un petit peu, quoi.
pas reprendre exactement ce qu'on a fait là-haut, parce que ça, on va le revoir ici. Donc là, la phrase, là, cette phrase-là, elle se termine comme ça. Okay. Ah, ben ça fait. Est-ce qu'on refait par exemple la do? Un truc comme ça, quoi. Reprendre cette partie-là et finir différemment, peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais Je tu trouve peux. que ça sonne agréablement. Pardon? Je trouve que ça sonne agréablement. D'accord. Donc. Et en lado, lado, etc. Ouais. Alors, sachant que le. Il faut regarder aussi avec les accords. Parce que là, on avait un la. Bécard, parce qu'on est sur un accord de fa dièse mineur 7 bémol 5, donc là il y a un la dans l'accord, mais là on passe à fa mineur majeur 7, donc là si on met un la, ça va pas, parce que là on a un la bémol ici, donc lui il a rien mis, hein. Alors lui il a rien mis, mais c'est parce qu'en fait, il a dans sa partition, il y a un mi ici, et donc comme il y a un mi ici, bah, le mi il est dans cet accord-là, il est aussi dans cet accord-là. Nous, le problème du la ici, c'est que si on le prolonge, même si on met rien, on va l'avoir dans la tête et puis ça va frotter à mort avec le la mineur ici, quoi. Donc, soit on change cette note-là puis on met un mi, soit on se dit, ben non, on va pas changer de mélodie, mais à ce moment-là, on peut mettre peut-être même un la bémol ici et puis enchaîner sur un sol ici, peut-être, pour que ça corresponde avec les accords, quoi. Bon, je sais pas, hein, je sais pas que j'ai raison, mais j'essaie de. Je réfléchis tout haut. Alors ça ferait, oui. Un truc comme ça, et puis on termine différemment, quoi. Ça vous va, ça, comme mélodie ou pas? C'est-à-dire de faire tout ce qu'on a fait là. Là, on met un la bémol pour que ça corresponde à l'accord de fa mineur. On met un sol ici pour que ça aille avec mi mineur 7. Et puis, on termine la phrase. Donc, ça fera ça. L'avant-dernière note, elle frotte un peu, il me semble. Elle détonne un peu. L'avant-dernière note, tu dis? L'avant-dernière, oui. T'aimes pas trop? J'aime pas trop, non, à l'oreille. Ouais. Oui, moi, je suis pareil que Mike. Oui. Ouais, parce qu'elle n'est pas dans la gamme, quoi. Et oui. Ouais. Ou alors on met. Sinon, alors, en fait, alors, qu'est-ce qu'on a dans Fa mineur majeur 7? Les notes, c'est Fa, La bémol, Do, Mi. Donc, bah, sinon, on met un Mi, hein. Comme ça, c'est dans la gamme, au moins. Oui, un mi. À ce moment-là, on. Ça va mieux comme ça? Non? Il me semble que c'est mieux, oui. Ouais? On va essayer ça. Et après, on voit ce qu'on fait après. Mais après, on ne sait pas parce qu'on a écrit que c'est gravé dans le marbre. Hein. On peut toujours modifier après. Alors, ok. Donc, là, okay, donc le principe, c'est qu'on garde la gamme de Fa majeur. On n'essaye pas de mettre des notes en plus. Bah, c'est le parti pris qu'on avait pris au début, d'ailleurs. Donc là, rythmiquement, on peut faire. C'est peut-être plus sympa d'anticiper le mi, je pense. Alors, pas ici. Attends, il faut juste qu'il charge les notes. Voilà.
Alors maintenant, partir d'ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est reprendre. Est-ce qu'on reprend le carrément tout ça? Est-ce qu'on a une, deux, trois, quatre mesures et on finit différemment? Ou est-ce qu'on reprend simplement ce motif-là, et puis on le répète, et puis on termine, quoi? Parce que là, on a la mi, là, on peut faire un sol. On a un mi ici. Là, ça collerait bien. Non, ça collerait pas d'ailleurs. Non, il faut pas. Parce qu'en fait, la plus 7 bémol 9, c'est la, do dièse, mi dièse, c'est-à-dire comme fa, et si bémol. On a sol, et si bémol. Donc là, si. La contrainte, c'est que si on joue un sol ici, il faut mettre un fa après. Je sais pas, par exemple. Bon, j'essaie, je vous propose ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça va, que c'est joli. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, do. D'ailleurs, si on fait ça, fa dièse 7 bémol 5, fa dièse 7, fa dièse, la dièse, do dièse, le ré ne va pas aller. Hein. Fa dièse, on a plutôt un do aussi. Ah bah alors, on peut faire pas un do. Ou alors on termine carrément comme ça. Bon, je veux juste que ça donne et si c'est pas bien, vous me dites, hein. N'hésitez pas. Oui, ok. Ah, mais si c'est bien, vous le dites aussi. Hein. Ouais, c'est nul. Et tu nous as dit d'ailleurs que c'était pas bien. Bon, d'accord, je recommence. Alors, j'y vais. Donc, je joue à partir de d'ici, hein, cette partie-là. Un peu plat. Non. Ouais, c'est pas mal, mais Ouais. c'est vrai que ça descend, enfin, ça reste assez Oui. plat, ouais. Mais Ouais, bon. c'est sol fa mi ré do, hein, c'est pas extraordinaire. Ouais. Ou alors
pour éviter le sol, sol, fa, fa, mi, ré, do. Sol, sol, fa, fa, sol. Sol, fa, fa, mi, ré, do. Non, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est de moins en moins bien. Alors, si vous avez des mélodies à me proposer, allez-y, hein. Tout simplement ça. Oui, essayons ça. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ok, bon, on continue comme ça. Je rejoue quand même depuis le début. S'il y a des choses que, des notes qui vous gênent un peu, faut pas hésiter, hein, parce que souvent, je raconte souvent cette anecdote, mais je me rappelle une composition que j'avais faite il y a très longtemps, et en la jouant, il y a une note. Pas sûr, ouais, ah, cette note-là, est-ce que je la mets, je la mets pas? Ah, je vais peut-être l'enlever. Ah, je vais peut-être la mettre quand même, parce que c'est quand même importante. Ah, je sais pas. Bon, j'ai, oh, après tout, je veux pas m'embêter pour une note, c'est bon, quoi. Le morceau était tellement, il y avait tellement de choses qui se passaient devant. C'est un morceau assez rapide, tout ça. J'ai, bon, allez, hop, bon, je l'ai écrite, je la joue, et puis voilà, bon, point. Et je fais écouter ça à ma copine qui était musicienne également. J'ai dit, tiens, je viens de faire une composition pour piano, t'en penses quoi? Ah, elle me dit, non, t'as vachement progressé en composition. Il y a juste une note qui me gêne, c'est exactement la note sur laquelle j'avais hésité. Donc, quand il y a un truc, maintenant je sais que quand il y a y a un truc, un passage, je suis pas tout à fait sûr de moi, bon, vaut mieux changer, quoi, parce que c'est que si ça nous gêne, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc, et forcément, il y a quelqu'un qui va dire, ah, c'est dommage, ce passage-là, il est pourri, sinon le reste, c'était bien, quoi, donc, pas hésiter. Donc, j'y vais. Alors, si tout est bien, tant mieux, mais s'il y a des choses qui vous gênent, faut pas hésiter.
C'est pas mal. C'est joli. Ok, alors on continue. Alors, pour la suite, donc là on reprend le cheminement de Gershwin. Donc en fait, les 1, 2, 3, 4 premières mesures, 5 premières mesures, 6 premières mesures, 7 premières mesures, 8 premières mesures sont les mêmes presque qu'au début. Donc on va reprendre la même chose. Donc, on suit toujours son cheminement. Hein. On apprend à écrire comme Gershwin. Ah, c'est bon. Ah oui, bah c'est comme ça qu'on progresse. Hein. C'est là, notre prof, c'est Gershwin, donc on y va. Ouf, voilà. C'est vite écrit. Et donc, alors simplement, il y a quand même un changement. Enfin, alors attendez, 1, 2, ah oui, c'était là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Et alors attendez, au niveau des accords, c'est pas tout à fait la même chose apparemment. Ouais, après c'est pas tout à fait la même chose. Il faut juste voir si ça colle au niveau des accords. Donc do, ré, la, sol, fa, sol, ré. Au début, c'est. Ah non, au début, c'est pas pareil. Donc là, en fait, on a un la bémol diminué 7. Est-ce que ça colle avec notre mélodie? Donc la bémol diminué 7. La note, c'est la bémol. Do bémol, comme le si. Après, comme le si avec un. Après le ré. Et après le fa. Donc, bon, le sol, il va frotter un petit peu. Ouais, bah, pourquoi ne pas en profiter pour, plutôt que mettre un sol, mettre un fa. On peut mettre deux fois le fa plutôt que faire fa sol. Parce que le problème du. Alors ça, c'est le problème de tension-résolution, c'est que si on a une tension, c'est pas grave qu'il y ait une tension, mais il faut qu'il y ait une résolution derrière. Et là, il n'y a pas de résolution du tout, parce qu'on passe directement au ré. Donc là, quand on fait ça, généralement, c'est quand cette note-là, elle fait partie de l'accord, mais là, elle n'en fait pas partie. Donc c'est un peu gênant. Donc là, ce que je propose, plutôt que de faire fa sol ré, c'est de faire fa fa ré. Surtout qu'après, on refait aussi fa fa ré, mais dans l'autre sens. Donc ça, c'est cohérent. Mais du coup, on change le début aussi. Au lieu de faire fa sol ré, là, on fait fa fa ré. Du coup, je refais depuis le début. Et vous me dites si ça marche pas. C'est souvent le cas. On se dit, ah tiens, là, je passe. Ah oui, ben là, du coup, ça marche plus. Donc je change un petit peu le début. C'est un jeu de construction. On est tout le temps en train de faire des allers-retours comme ça. Ça passe ou pas? Oui, pour Ah moi. oui. Et ben. Oui, très bien pour moi. C'est évident pour vous, tant mieux. Donc là, on refait la même chose. Do, ré, la, sol, fa, fa, ré. Alors après, fa, fa, ré, ré, là, ça va bien sur sol mineur 7. Do, si bémol, ré, il n'y a pas de problème sur do 7. Ensuite, sur sol mineur 7, fa, sol, ré, do, il n'y a pas de problème. Après, on passe sur sol mineur 7 bémol 5, do 7 bémol 9. Donc sol mineur 7 bémol 5, on a un si bémol, donc s'il n'y a pas de problème. Ouais, je pense que ça va. Le sol il passe bien sur do 7 bémol 9. Le la il passe bien sur fa 6. Le fa aussi, bien sûr. Et puis après, alors après ça marche plus parce que le mi bécart sur do mineur 7, laisse tomber quoi. Ça va pas du tout. Donc là c'est pareil quoi. Il faut changer un peu ça. Pour que quand on refait notre mélodie, parce que c'est ça qui est chouette dans ce morceau, enfin il n'y a pas que ça, mais c'est que quand on fait la même mélodie sur des accompagnements différents, du coup les mêmes notes sonnent différemment puisque l'accompagnement est différent, mais il faut pas que ça frotte à mort là, parce que là mettre un mi bécart sur un mi bémol, là c'est une énorme faute de goût. Donc parce qu'on mettrait un mi bémol sur un do majeur, on se dirait ouais c'est une blue note, ça sonne blues, parce qu'en fait jouer mineur sur majeur, ça sonne blues. Mais jouer majeur sur mineur, c'est un détournement de mineur et ça s'interdit. Donc faut éviter. Donc là, du coup, là ça marche plus du tout, le mi. Donc sur do mineur 7, ce qu'on peut mettre comme note,
Sol dominant 7, on peut mettre le Do, on peut mettre le Ré. Donc pas le Mi bémol parce qu'on a dit qu'on restait sur la gamme de Fa majeur. On peut mettre le Fa, on peut mettre le Sol. Le La est pas terrible, le Si bémol éventuellement. Voilà. Donc on a quand même du choix. Donc à la place du Mi, qu'est-ce qu'on met quoi? C'est ça par exemple la mélodie. Donc je rejoue à partir d'ici. Alors plutôt que Fa Sol Ré, on fait Fa Fa Ré, on a dit. Fa Fa Ré Do. Ouais. Pour que ce soit cohérent également, ce serait bien d'être, je pense. Oui, parce que là, en fait, quand. Ah non, pas forcément. Fa Sol Ré Do Si Do Si. Oh non, ça c'est pas tellement bien ça. Donc je fais à partir d'ici. Hein. Ah oui, ben on peut faire ça, Sol Ré Fa, ça marche si on fait ça. Si on fait Sol Ré Fa au début, donc là on est sur Do Ré La, Sol Fa Fa Ré, Fa, sur les dernières mesures. Et ah ouais, donc sur Mi, ah oui, mais alors là du coup, le ben si sur le sur là, si on met un Sol sur Mi 7, ça sonne un petit peu bluesy, quoi, on va dire. C'est peut-être moins gênant que. Ouais. Bah, d'ailleurs, il le fait aussi, je crois. Non, pas tout à fait. Attends, on est où là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 8e mesure. Non, il n'y a pas de sol ici. Ouais, on avait mis un Mi parce qu'il y a un Mi 7 évidemment dans l'accord. Moi, ça ne me dérange pas de mettre un Sol parce que je sais que ça va. Ça va. En fait, l'avantage du Sol ici, enfin l'avantage, c'est que ça va frotter un peu avec le Sol dièse, mais ça va être résolu sur le Fa qui suit. En fait, quand on a Sol, Ré, Fa. Le Ré fait partie de l'accord, et donc la tension ici, c'est un retard de résolution en fait. C'est que le Sol va se résoudre sur le Fa ici. Et comme en plus il est bref, vu que c'est simplement une croche, je pense que c'est jouable. Il faudra l'essayer avec la piste d'accompagnement. Attendez, je vais écrire ça. Il faudra quand même vérifier avec la piste d'accompagnement ce que ça donne. Donc Fa Sol, Ré, Fa. Et là, à ce moment-là, ici. Fa aussi, Fa, Sol, Ré, Fa, du coup ça marcherait bien avec l'accord. Voilà. Alors, il y a une chose aussi qu'il fait, c'est qu'il ne reprend pas exactement rythmiquement la même chose qu'au début. Ouais, il y a quelques petites variations rythmiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut varier rythmiquement, nous? Do, Ré, La, Sol, Fa, Fa, Ré, Fa, Do, Ti, Do, Do, Ti, Do, Ta. Qu'est-ce qu'on peut faire comme variation rythmique pour que ce soit sympa? Alors là, je rejoue tout ce qu'on a écrit, hein, après la double barre. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est si on veut changer un petit peu le rythme, c'est ça par exemple.
Ça va ou pas? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est bien, très bien. Oui, c'est bien. Peut-être la fin, je trouve que c'est pas la dernière mesure, Ah les oui, deux dernières mesures. les deux dernières, donc ça. Ça t'aime pas trop? J'aime pas trop. Alors, qu'est-ce que tu proposes d'autre? Je sais pas. Qu'est-ce qui te plaît pas dans la fin? Peut-être le rythme. Le rythme. Non. J'essaye au lieu de descendre au ré à la dernière mesure de monter plutôt vers le la, vers sol la fa. Ça, à partir de où? La dernière mesure, sol ré à la place du ré, monter plutôt sur le la. Ouais. Ouais. Mais du coup, ça va faire la fa sol la. Attends, ça va faire du coup. Alors, réécoutons les deux et. Il y a peut-être une autre idée à trouver. Hein. Donc la première version, c'est avec le ré. Alors, je refais mieux. Là, l'autre version. Ouais, ça se voit, hein. Il y a peut-être autre chose à changer qui Ouais. te. Sol, mettre un sol ici à la place du la. Voilà, on fait carrément. Si on peut faire ça. Sol, sol, fa, do, ré, sol, fa. Ça change un peu la mélodie.
te plaît mieux ou tu préférais l'autre? Oui, moi je préfère. Oui, d'accord. Okay. Tu as bien fait d'insister. Alors, la fin maintenant. Bon, voilà, il fait carrément autre chose, donc à nous de trouver un truc. Donc, alors, là c'est sur si bémol majeur 7. Voilà, sur 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oula, attends, attends, voilà. Alors, attends, il y a un truc sur les accords. Je suis pas sûr d'avoir tout écrit comme il fallait. Alors, si bémol majeur 7, ensuite mi mineur 7 bémol 5, la 7 bémol 9, ré mineur basse do, si mineur 7 bémol 5, si bémol mineur 6, la mineur 7, ré plus 7 bémol 9, sol mineur 7 bémol 5, sol mineur 7 bémol 5, basse do 7 bémol 9. Non, d'accord, il y a un truc. Attends, on va le mettre ici, ça. Ouf. Voit pas bien les... Ah oui, c'est ça. Do 7 bémol 9. Ensuite, Do 7 bémol 9. Fa 6. Ah oui, d'accord, il y a des oublis. Là. Il y a des oublis. Alors, on va rajouter des mesures. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mesures, carrément. Allez, hop. Carrément bouffé 10 mesures. Alors, donc, on va écarter un peu ça parce que c'est pas tellement lisible, je trouve. Voilà. Alors, ça, je vais le mettre là-haut. Tac. Là, ça va mettre ici, ouf, ça va mettre là. Donc alors les accords, ça donne. De temps en temps enregistré quand même. Donc, alors, après Do 7 bémol 9. On a Fa 6. Fa 6. Après, on a Sol mineur 7 suivi de Fa dièse 7. Ensuite, Fa 6. Fa 6, La bémol diminué 7, Sol mineur 7, Do 7, Sol mineur 7, Sol mineur 7, bémol 5, Do 7, bémol 9, Fa 6, Do mineur 7, Fa 7. Voilà. Et donc ce qui se passe en fait, c'est que donc la partie ici, donc on a jusqu'à Fa 6. Voilà. Et à partir d'ici, on improvise jusque Do mineur 7 Fa 7. Ça, c'est juste la partie solo. Voilà. Et ensuite, quand on arrive ici, on a une double barre, évidemment, puisqu'on change de section, et on a un DS al coda. DS al coda, voilà, je look. DS al coda. Donc, le signe. Il est où? Il est sur le, bah, sur la fin en fait. À partir de là, on n'a pas encore écrit. Voilà, donc le signe est ici.
Bon, c'est pas ça que je veux, je veux le signe. C'est nouveau, voilà. Donc. On va le signer là. Et donc, le Toucoda, il est avant le Fa 6. Voilà. Et la coda, c'est toute la fin ici. Voilà. Ok, bon, alors. Donc là, il nous reste à écrire. Ici, un peu ça peut-être. Va laisser ça aussi. Ça, on va remonter. Ok, donc il nous reste à faire donc là. Ah oui, alors ce que j'ai pas mis ici, c'est que le var ici, parce qu'on change de section à la fin. Voilà, donc notre mélodie, elle se termine sur le Fa 6. Donc là, il faut trouver quelque chose qui, une, deux, trois, quatre, sur les six mesures, qui nous donne la fin du morceau en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout rejouer depuis le début. Et on va essayer de trouver quelque chose pour la fin. C'est Alors, super. oui, on fait quoi pour la fin maintenant? Qu'est-ce que tu penses, non? Pour prendre à partir d'un do d'assez bas pour monter en fait. Ouais, d'accord. Do, ré, mi, do, ré, la. Ah, on peut faire un truc comme ça par exemple. Sol, avec le même motif, mais sur des notes différentes. Ça vous plaît ou pas? Moi aussi, moi ça me plaît. Oui, c'est bien. Très bien.
Bon, ouais, très C'est bien bien. comme ça. Ok, super. Alors là, à la fin, maintenant, je t'écoute, Mick. Tu viens de donner le début, on attend la fin. Donc, alors, il faut continuer de développer un peu. Quoique, alors lui, il fait pas des choses. Enfin, il laisse un petit peu de silence aussi, quoi. Donc, sur le Ré mineur et Ré mineur basse Do, c'est juste, il fait deux temps de silence et. Très simple, tu termines la vie, il fait juste fa 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 là. Donc on peut se faire un truc, essayer de faire quelque chose de pas trop chargé, quoi, pour respecter l'état d'esprit du morceau. Par exemple, si on fait ça. Alors, on va avoir un problème si on termine sur le Ré. Avec l'accord suivant, ça n'a fait. Sais pas comment tu le mets, ouais, ça y est. Alors ça. Ah bah non, évidemment. Ça ferait.
Je fais ce que j'ai écrit et vous me dites hein, ce que vous en pensez. Donc à partir du si bémol majeur 7. Pas mal. Je trouve que c'est bien, c'est très bien aussi. Je suis pas sûr de mon fa mi ré quand même. Ça va, mais familier, familier, je trouve pas ça extraordinaire. Ça vous va? Oui, alors là, c'est peut-être plus. Ouais. Oui, c'est bien. Bon. Donc là, on termine aussi par la coda. On termine par un sol, fa. On termine bien par un fa. Ça marche bien. Pas de problème. Bien mis ici pour que ça. Ça sonne très jazzy, la septième majeure. Alors, ce qui serait pas mal maintenant, c'est de l'entendre avec une piste d'accompagnement pour voir si ça marche bien. Qu'en pensez-vous? Donc, ce qu'on pourrait faire pour qu'on entende tout, alors, je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc. Alors, ce qui serait pas mal, c'est de faire une piste d'accompagnement, le faire jouer la partition et de tout écouter ensemble. Donc, pour ça, alors, il va falloir revenir. Rentrer les accords dans. Ouais, mais surtout, attends, ce qu'il va falloir faire, c'est. Parce que si je mets la piste d'accompagnement avec, il ne va pas comprendre les symboles. Donc,
bah, mais non, bah, de toute façon, c'est pas tellement l'impro qui nous intéresse. Alors, on va faire un truc. Ouais, on va l'enregistrer comme ça. On va mettre composition, tac, thème. Voilà, on va juste faire ça. Comme ça, on va supprimer. Tac, tac, ça, on s'en fout. C'est juste le thème qui nous intéresse. Voilà, bon, ça sonne bien avec les accords. Voilà. Du coup, là, on n'a pas besoin. Après, ce sera rejoué, évidemment, mais c'est juste pour nous assurer que tout va bien, qu'il y a pas un truc qui coince un peu. On sait jamais. Je pense que non, mais on sait jamais. Donc, voilà, donc on fait ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer. Donc, je vais changer de logiciel. Pour ça, je vais devoir couper ma caméra, mais c'est pas grave. Alors, je vais changer de caméra en fait. Là, vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Ok. Oui, Donc, on ce que je vais entend. faire, c'est utiliser mon orchestre. Je vais revenir mes musiciens. Allez, les gars, vous venez? Alors, qui sont les musiciens? Où sont-ils les musiciens? Ah ben, je les avais préparés. Ils sont tellement gros, je les ai pas oubliés. Alors, donc c'est Benin the Box 2017. J'ai pas pris la version 2021 encore. On va venir. Oui. Ça, c'est la 22 maintenant. Voilà, la 22, carrément. Bon, enfin, j'ai déjà plein de choses à faire avec la 2017, donc, on verra ça plus tard. Alors, cherchons dans son temps. Donc, j'y vais, je lance Panini de Box. Non, mais la grosse, très grosse amélioration, c'est quand ils ont, quand on est passé du MIDI au son réel. Alors là, c'était une sacrée révolution. Mais... Bon, ils rajoutent toujours des instruments, des styles, etc. Mais bon, avec tout ça, déjà, j'ai déjà pas mal de choses à faire. Oui, c'est un très bon logiciel. Ah oui, c'est vraiment excellent, ça c'est clair. Bon. J'ai la version 2021. Ah oui? Ouais. Bon, je sais pas trop bien m'en servir, mais bon. Moi non plus, il y a des choses que je. Enfin, je ne sais pas tout utiliser non plus, mais. Il y a. Je me dis un jour, enfin, je me lance vraiment, vraiment dans une formation Benin de Box, que j'y aille vraiment à fond. On fera ça l'année prochaine, hein, parce que là, il n'y a pas le temps. Alors, donc, allons-y. Je partage Benin de Box. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que. Il va falloir que je copie tous les accords. Est-ce que je peux. Tiens, j'ai jamais essayé ça. Est-ce qu'on a les possibilités de faire un copier-coller? Alors attends, si je prends ma partition, comment je pourrais faire ça? Ça veut dire de copier que. Attends, si je copie tout. Ah, j'en sens rien du tout. Hein. Non, ça ne marche pas, évidemment. Est-ce qu'on peut pas importer, alors, Mick, toi qui connais bien Benin the Box, est-ce qu'on peut importer un fichier? Non, ça m'étonnerait qu'on puisse apporter un fichier final là-dedans. Pour essayer de gagner du temps. J'ai pas finalement, j'ai Ah jamais essayé. oui, ça va pas m'aider. Oh, il doit bien. Ouais, il faut voir dans Encore. les entrées, importe quoi. Un port audio, port chords from PG. Ah non, c'est un autre clip from MIDI file. Ah bah si je le transforme en MIDI le fichier final. Alors, attends, on va essayer Un ça. format MIDI, ouais, peut-être. Alors essayons. C'est un moyen. Sinon, ah, peut-être, je vois. Donc si je mets fichier, il faudrait pas qu'il y ait les notes, il faudra juste qu'il y ait les accords. Alors attends, ce que je vais faire à ce moment-là.
Je vais enregistrer sous, je vais mettre, on va faire juste accord. On va voir ce que ça donne. Ce moment-là, je vais vider les mesures. Donc, là, je vais faire ça. LV. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? CTRL-LV. Non, je suis parti sur un autre logiciel. On recommence CTRL-C, CTRL-LV. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Historique. Il est en train de me sortir un historique de mes emails, mais c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Affichage, mode page, on recommence. Voilà, CTRL-C, CTRL-ALT-V. Oh, c'est pas vrai. Bon, ben, je sais pas pourquoi il fait ça. Parce que normalement, on a une possibilité de coller plus facilement, hein, mais. Si je fais ça, CTRL-C, CTRL-V, est-ce qu'il fait bien? Oui. Moi, je fais CTRL-LV. On me sort un historique à la con. Mais qu'est-ce que ce nom fout de l'historique de mes emails? C'est pas ça que je te demande. Mais qu'est-ce qu'il fait? N'importe quoi. Alors, bon. Bon, bah tant pis, on va faire comme ça alors. Pouf, pouf. Voilà, CTRL-V. Non, ça marche pas. Oh là 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 là. Normalement, il y a une fonction qui permet de coller jusqu'à la fin. Ce qui permet d'effacer toutes les mesures. Mais l'ordi ne comprend pas, il me sort un historique d'envoi d'email ou je sais pas quoi. Je n'ai absolument pas demandé, donc c'est très, très curieux. Bon, tant pis, on va le faire à l'arrache. Tac, comme ça, pouf, pouf. Donc j'efface pas les accords, là j'efface que la mélodie. Voilà. Tac, 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 tac. Là, pareil, on efface aussi. Ça. Voilà. Donc là, j'ai plus que les accords. Donc, est-ce que je peux l'exporter en MIDI? Exporter. Ah oui, fichier MIDI. Donc, accord MID. Ok, enregistrer. Tous les instruments en une seule piste. Voilà. Bon, apparemment c'est fait. Alors on va voir ce que ça donne. Et donc si ça fonctionne, ça va être une sacrée révolution. Ça serait bien, hein. Ah oui. Ouais, parce que j'en passe du temps à faire des accompagnements d'après les partitions. Alors, donc import from MIDI file. Voilà. Oula. Voilà. From beginning base. Pas complete song, d'accord. Nom de leading base en minify, il n'y en a pas. How many bars to import? Il y a combien de mesures à importer? Il y en a 33. 33. Tac. Import codes, oui. Ok. Open selected channels, ok, ça c'est bon. On verra bien. Bon, très bien. Ouf. Minify is not found. Bah oui, bah j'ai. Ah voilà, donc ici. Donc maintenant on va dans. Je l'ai dans quoi? Je l'ai mis dans. Enregistrer sous. Je l'ai mis dans. Ah le data music, tout simplement. Alors. D. Musique. Là. Composition. Composition collégiale. Ah, il n'a pas trouvé le fichier MIDI, c'est quoi ce travail? Data, musique, composition collégiale. Non, alors il l'a pas mis. Ah non, il l'a pas mis dans. Ah, qu'est-ce que j'ai foutu? Fichier exporté. Fichier MIDI, je l'ai mis dans quoi, moi? Ah si, pourtant. Je l'ai bien mis dans. Fichier MID, musique composition collégiale. Pourquoi il ne le trouve pas là? Nom du fichier. Ah, il ne le trouve pas. Composition collégiale. Non, attends.
Composition. Accord. Un mi, voir si ça va ou pas. Ah bah si. Excellent. C'est fabuleux. Oh, tout va bien. Alors attends, est-ce que c'est bien ça les accords? Ah ouais. Alors presque, c'est presque ça. Hein. C'est pas tout à fait ça quand il y a quelques corrections à faire, mais ça va me faire gagner du temps. Donc Do 7 sus. Après, c'est pas Sol, c'est un détail, c'est Sol mineur 7 bémol 5, suivi de Do 7 bémol, Do 7 plus bémol 9. Ouais. C'est presque ça. Hop, bah, il tient pas celui-là. Ah oui, non, il faut faire Do 7 bémol 9 dièse 5. Non plus. D'accord. Alors, Do 7 dièse 5 bémol 9. On va y arriver. Voilà. Après, Fa 6. Après, c'est pas Fa, mais c'est Fa diminué 7. Donc là, il faut mettre Fa dim. Après, Sol mineur 7. Do 7, Sol mineur 7. Après, c'est Sol mineur 7 bémol 5. Non, Sol mineur 7, qu'est-ce que j'ai fait? Sol, oh, pardon. Sol mineur 7 bémol 5. Et après, c'est Do 7 bémol 9. Do 7 bémol 9, c'est ça. Après, Fa 6. Ouais, il reconnaît pas tout quand même. Hein. Mi 7 bémol 9. La, alors là, c'est La 7 dièse 5. Bémol 9, Ré mineur, basse Do. Ouais, d'accord, il y a tellement de trucs à corriger que j'aurais pu le taper moi-même. C mineur 5 bémol 5, Mi 7 dièse 5 bémol 9, La mineur 7, La mineur 7 basse Sol. Fa dièse mineur 7 bémol 5, Fa mineur majeur 7. Ok, Mi mineur 7, La 7 dièse 5 bémol 9, Ré mineur 7, Sol 7, Do 7, La bémol 7, Sol mineur 7. C'était presque un sans faute. Fa dièse 7 bémol 5. Voilà. Fa 6. La bémol diminué. Sol mineur 7. Do 7. Sol mineur 7. Alors là encore, Sol mineur 7 bémol 5. Sol mineur 7 bémol 5. Do 7 bémol 9. Fa 6, Do mineur 7, Fa 7, Si bémol majeur 7, Mi mineur 7 bémol 5, La 7 bémol 9, Ré mineur basse Do, Si mineur 7 bémol 5, Si bémol mineur 6, La mineur 7, Ré 7, dièse 5 bémol 9, Sol mineur 7 bémol 5. C'est sûr, on n'a pas choisi la grille la plus simple. Sol mineur 7 bémol 5 basse Do, et ensuite Do 7 bémol 9. Oui, c'est un peu compliqué comme grille. Ouais, mais enfin, ce sont des enrichissements, mais c'est en tout cas, c'est très créatif. Oui. Voilà, donc on va terminer. Ici, on va juste le thème une fois, c'est juste pour écouter si ce qu'on a fait est correct ou pas. Donc, on a la partie A. Donc là, c'est l'intro. Ensuite, on a le thème qui commence ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, c'est logique. Donc, voilà, on arrive ici. Là, on a la partie B. Quoique non, là, ça se retrouve à la partie A plutôt. Alors, ce qu'on va faire ici, on va le faire ici plutôt. Voilà. On est censé voir ton travail, non? Parce que tu vois rien là? Non. Ah bon?
Depuis déjà 5 minutes ou 2, je ne sais pas, On depuis ne du voit pas Bandit the Box. Ah bon? non, Ah bah non. dites. Ils disent rien. Ils sont timides, hein. Ben écoute, je me suis décidée à dire quelque chose parce que. Bah non, mais je pensais que j'étais en train de partager l'écran, moi. Ben non, pas de partage des groupes. D'accord. Non, mais c'est. Là, vous voyez mieux, là? Ah, ben là, oui. Oui, très bien. Merci. Alors, voilà, et on revient ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, puis on va faire ça, c'est pour la fin. Voilà. Comme ça, on a les parties A et partie B. OK, alors, nous sommes bien en Fa majeur. C'est plutôt lent, c'est plutôt une, enfin, c'est une balade médium, mais on avait mis 4 tempos pour. On n'a pas mis tempo. Donc, on va mettre un style de balade de jazz, swing, environ 90. Qu'est-ce qu'on peut mettre par exemple? Truc du piano, ça peut être sympa. Ça donne quoi ça? Ça, alors, allons-y. Comme ça, alors donc on va l'appeler aussi comme ça, très bien. Ah, il faudrait qu'on donne un titre à notre morceau. Alors, il y a une fonction que j'aime bien qui m'amuse dans Benin the Box, c'est le générateur de titres. C'est-à-dire qu'il nous sort des titres, et des fois je me dis, non, là c'est n'importe quoi. Ah, bah tiens, c'est amusant comme titre, et ça, et je sais pas forcément, je nomme pas toutes mes musiques en fonction de ce que me dit Benin the Box quand même. Mais des fois ça donne des idées, donc à moins que vous ayez déjà une idée de titre de morceau. Non, pas spécialement. Alors là, donc quand on va sur Generate Rhythmical Afternoon, après-midi rythmique, bon, c'était pas ce qu'il y a de mieux. Arrival from the Congo. Repeatedly enfrelate. Oui, là, c'est imprononçable déjà, ça, ce truc. Lamented Beauty. Ouais, bon. Price in Paradise. Oh, c'est pas... Ah, c'est déjà mieux. Priez le paradis. Bon, ça vous va ou pas? Price in Paradise. Bon, il me dit Moi, beaucoup. pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on va dire ça. Price in Paradise. Alors. Je vais quand même vérifier que ça veut bien dire prier le paradis quand même. Si ça veut vraiment dire quelque chose. Parce que des fois, il sort des expressions. Alors, pricing, paradise. Ah, oui, louer le paradis. Oui, d'accord. Ouais, bah, c'est ça. Donc, ok, alors, pricing paradise. Voilà, on l'enregistre. Donc la piste d'accompagnement.
On va croire qu'on compose des hymnes religieux. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans Final. Donc là, vous voyez plus rien, mais c'est normal. Voilà. Alors, normalement, vous devriez voir Final s'afficher là. Alors, je vais passer comme ceci. Je vais me mettre en mode studio plutôt. Voilà. Alors, on va donc on va mettre le tempo déjà. Parce que si on met 120, ça va faire bizarre. 92. Voilà. Donc, alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans oui, c'est ça, MIDI audio, ajouter une piste audio. Tac. Et je retourne dans MIDI audio. Et dans piste audio, je fais charger un fichier audio. Et je vais chercher Present Parallels Render. Ouf. Et voilà. Alors maintenant. Ah oui, mais ce que j'ai pas fait, c'est que là, non, j'avais que la grille, j'ai pas la mélodie là. C'est pas ça que j'aurais dû faire. Ah, on recommence. Il faut que je prenne le thème. Ouf, voilà. Alors, ah oui, mais le thème sans le. Sans la fin. J'ai mis quoi? C'était celle-là ou pas? Bon, c'est pas grave. Alors, donc, on va le refaire. Donc, là. Je mets thème seul. Voilà. Donc, on ne met pas les signes et compagnie. On veut juste avoir ça. On enlève ça. On enlève tout ça. On supprime. Chlouk. Voilà. Donc sur les accords, je lui demande de pas lire, voilà, de pas activer la lecture des accords parce que sinon ça va faire bizarre. Ok, maintenant je passe en mode studio, voilà, directement. On va zoomer un peu. Maintenant je vais dans MIDI audio, piste audio, ajouter une piste audio. Et maintenant dans MIDI audio, piste audio, charger un fichier audio. Je vais donc charger notre pressing render. Ça démarre bien ici. Parfait. On a 2 mesures d'intro. Et ah non, par contre, pourquoi est-ce que. Tiens, c'est bizarre le. J'ai pas l'impression que ça démarre au bon endroit là. Ouais, il y a un petit décalage. Ouais. Alors attends, pourquoi ça? Charger un fichier audio. Alors, démarre. Ah oui, parce qu'il fait le tac, 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 tac. Ah oui, c'est ça. En fait, il donne les coups de batterie avant de commencer le morceau. Donc, il faut que. C'est vrai que j'ai oublié de faire ça. Normalement, je le fais à chaque fois. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer 2 mesures pour rien. Insérer 2 mesures de blanc, voilà, comme ça on va voir les. J'ai dit deux, mais il n'en a mis qu'une. Bon, je croyais avoir mis deux pourtant. Voilà, donc là maintenant, si je charge le fichier, piste audio, charger un fichier audio, je recommence. Voilà, je bloque. Ça fait quand même bizarre, hein. J'avais pas l'impression que. Est-ce que. C'est bizarre qu'il commence en plein milieu comme ça. Il y a un truc qui déconne là. Ah oui, mais ah oui, c'est oui, pour ça, c'est parce que le. J'ai pas. J'oublie de changer de tempo. Il a 92 sur la piste d'accompagnement, alors si je mets 120 ici, ça décale tout, évidemment. Non, attends. Tac, 92. Mais je vais écrire 92. C'est terrible. Bon, voilà. On va y arriver, hein, à force. Donc, piste audio, charger un fichier audio. Cette fois-ci, j'espère que c'est bon. Ah, ben voilà, parfait. Bon, alors maintenant, il va falloir
Mettre un instrument. Donc on va mettre par exemple une flûte. Parce que si on met harmonica, ça va faire un son très bizarre. C'est pas des sons extraordinaires que j'ai, hein, donc faut être assez indulgent. Mais flûte, c'est pas mal. Donc on va mettre ici. À la place de Steinway Piano, on va mettre Woodwinds, flûte, solo. Voilà, il cherche, look. Par contre, je sais, est-ce que toutes les notes sont jouables à la flûte? Je pense que oui. Pas sûr d'ailleurs. Je me demande si le. Bah si, pourquoi pas. Bon, voilà, de toute façon, on va bien voir s'il y a des notes qui manquent. Alors, on écoute maintenant. C'est le verdict. Attention les oreilles. D'accord, donc là il démarre pas. Oh là là, pff, misère. Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Autre chose qui lui plaît pas. Ouais, réglage de périphérique. Configuration audio. Ça, j'ai jamais touché, donc je vois pas pourquoi ce serait là. C'est pas ça, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il veut pas hein? Pourquoi il reconnaît pas? D'ailleurs, si je joue une note, est-ce qu'il reconnaît quelque chose? Est-ce qu'on entend quelque chose? Peut-être pas. Hein? Non, on n'entend rien du tout. Non, ça, c'est pas normal. On devrait entendre quelque chose. Donc, je pense que c'est peut-être parce que. Est-ce que ce qui. C'est parce qu'il y a le cas. C'est une histoire de. Attends, je vais peut-être couper mon son dans Zoom, voir ce que ça donne. Peut-être couper le haut-parleur. Alors, si je désactive ici. Bon, ce que je vais faire, je vais désactiver mon haut-parleur et je vais relancer final. On va voir ce que ça. Alors j'ai un souci, c'est que il ne quand je lance final, il ne reconnaît pas le la partie audio, donc c'est un peu gênant. Ouais, c'est dommage. Ouais. Il me dit le moteur audio de final n'a pas pu démarrer. Redémarrer final. Oui, ça fait 2 fois que je le fais, je ne vais pas faire que ça. Alors, donc y a un truc, y a un truc qui va pas là. Ah zut. Pourtant, si j'ai. Attends, je recommence en désactivant mon micro.
Bon, on va faire autrement, hein? Il y a toujours moyen, hein? Bon, alors, je propose autre chose. Allez. Alors, donc là, ce que je vais faire, c'est que là, on a le thème sol. Je vais l'exporter en fichier Wave. Normalement, ça devrait fonctionner, j'espère du moins. Alors, attends, pourquoi tout est grisé là? Ça m'inquiète ça. Déconne complètement là. J'ai plus aucune commande là. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il fout? Bon, désolé, je recommence. Oh là là, c'est pas vrai. L'informatique, c'est bien quand ça fonctionne, hein. Alors, c'est reparti. Voilà, donc là, je repartage final. Tac, voilà. Alors, maintenant. Voilà, donc, je vais supprimer ça. Voilà, et ce que je vais simplement faire, c'est exporter fichier audio. Normalement, il devrait me faire la mélodie. Là. Donc là, je mets thème seul en wave. Ouais, normalement, ça devrait être bon. Donc là, voilà, il est en train de jouer le morceau. On voit le temps qui s'affiche. Ok. Là, il doit être en train d'exporter. C'était déjà fait. Alors, on va écouter. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais aller dans. Je vais aller dans. Je vais aller dans. Le mieux, ouais, le mieux c'est de. Parce qu'Audacity c'est pas mal, mais parfois il y a des petits problèmes de latence. Donc je vais ouvrir Pinnacle Studio. Pinnacle Studio c'est un logiciel de montage vidéo, c'est avec ça que je fais tous mes montages. Mais c'est pas mal aussi pour faire du son. Alors, il n'y a pas des réglages extraordinaires, mais il y en a quand même un peu, quoi. Et pour caler les deux pistes. Quand il y a la piste d'accompagnement et la piste de solo, bah, je suis obligé de recaler les deux pistes parce que, évidemment, si j'enregistre le solo pendant qu'on entend l'enregistrement en fond, bah, du coup, le son va pas être terrible. Donc, je suis obligé d'enregistrer la piste d'accompagnement d'un côté, la piste solo de l'autre, et puis après, de faire un mixage avec les deux. Donc, ça prend un peu de temps. Hein. C'est pas du live. Alors, donc, je partage Pinnacle Studio. Voilà, là j'étais sur un cours, je vais faire autre chose. C'est pour le montage vidéo. Exactement. Donc là, ce que je vais faire, je vais mon dossier harmonica. Donc je vais charger donc condition collégiale. Donc le thème et la piste d'accompagnement. Tac. Vous voyez bien l'écran s'afficher, hein? Oui, très bien. Bon, alors donc je vais mettre la piste d'accompagnement ici. Tac. Et par-dessus, je vais mettre notre thème. Normalement, ça devrait être bien calé parce que le tempo respecté, etc. Mais on va quand même écouter ce que ça donne. Voilà. Là, on ne voit pas les waves, ça m'inquiète un peu, mais. Ah oui, donc c'est vraiment très faible. Alors à mon avis, il va falloir remettre le son plus fort, mais on va écouter quand même. Vous entendez quelque chose là? Moi j'entends que dalle. Hein. Non, 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 Vous n'entendez rien? non. Oh là là. Misère. Alors, je recommence. Alors, je vais peut-être pas partager le son. Ah si, pourtant. Partager l'audio. Pourquoi on n'entend rien? Les aléas du direct. Pardon? Les aléas du direct. Ouais, mais pourtant, là il lit bien du son, mais on n'entend pas le son. On n'entend pas le son. Ça
Oh là 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 là, permis du projet. Ça sert à rien à voir. Périphérique audio. Alors, enregistrement Windows. Et ça, c'est l'enregistrement, mais. Lecture. Haut-parleur, normalement, on devrait l'entendre. Oui, c'est bien ça, c'est bien le haut-parleur. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas vrai. Je comprends pas. Ça n'est pas coupé pourtant. L'édition. Oh là là, attendez, je vais faire ça en partage de la fenêtre. Pourtant, les vues maîtres fonctionnent, Ah, apparemment. oui, justement, c'est ce que je comprends pas. Alors attends, je vais. Des fois, il faut redémarrer le truc. Alors, je vais quand même l'enregistrer. Donc. Condition collégiale. Donc, on appelle ça. On dit comment Pricing Paradise. Bon, alors, je vais quitter. Je vais redémarrer. Ah, mais il est déjà 22h11. Bon, on va essayer de s'arrêter. On va essayer de l'écouter au moins une fois. Oui. Alors. On n'entend toujours rien. Oh, c'est fou ça. Paramètres audio. Et avec ça, là, je vois pas. Entrée, observance du son. Application finale. Ah, bah tiens. On parle. Là, je viens de trouver un écran qui va peut-être me rendre service. Alors, réunion Zoom. Par défaut. Son système, Pinnacle Studio. Ah bah ben voilà. Alors, haut-parleur, chlouk. Ça va peut-être fonctionner là. On y retourne. Ben non, ça fonctionne pas, évidemment. Enfin, voyons, Bertrand. Tu croyais au quoi? Au miracle? Bon. Oh là 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 là. Ah bah oui, d'accord. Ah oui, le son est à zéro, je sais pas pourquoi. Le son était mis à zéro dans Pinnacle, enfin, dans le logiciel de montage. Donc, si je fais ça maintenant. Ah, ben voilà! Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le son, enfin, l'ordinateur avait mis directement le son à zéro dans le Pinnacle. Donc, ça, c'est très curieux. Bah, peut-être, du coup, on aurait peut-être pu l'avoir dans le final. Enfin, bon, c'est pas grave. Alors, on y va. Si on n'entend pas beaucoup la flûte, c'est parce que c'est pas assez fort. Donc on va mettre beaucoup plus fort. C'est un peu fort ça. Je sais pas si vous entendez quelque chose. Je trouve que c'est joli. Très bien. Ah
Donc, attendez. Ok, tac. D'éviter les ce qu'on appelle les clips quand on quand ça va un peu trop dans le rouge, c'est pas toujours ça risque de faire mal aux oreilles. Alors, ce que je vais faire, C'est bien. on essaie d'écouter un peu mieux. Je vais l'exporter. On va le réécouter avec un autre lecteur, peut-être on entendra mieux. Donc, on va le mettre en audio. Donc, voilà. On va le mettre dans un collégial. Voilà. Plugin Paradise. Paradise. Pouf. Bien sûr, ce sera encore plus beau quand ce sera joué par Mick à l'harmonica, évidemment, par Carmen. Ah oui, bien sûr. Ah, n'est-ce pas? Sans problème. Je vais investir dans un micro un peu mieux. Ouais, ce sera pas du luxe. Donc, mais un micro harmonica, non? Un micro, micro studio. Ouais. Oui, avec une carte externe et tout. Ouais. Ok, alors, donc je vais partager le fichier son. Attends ce que ça donne. Thank you.
Bon, bah, c'est pas mal quand même. Qu'en pensez-vous? Oui, très bien. Ok, ah bah stop, ça va, c'est bon, d'accord. Compris. Merci. Bon, bah voilà. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que je vais l'enregistrer, comme ça peut être sympa d'écouter ce que ça va donner à l'harmonica. Oui, l'harmonica, ça doit être encore mieux. Ah Ouais, bah oui. surtout que là, bon, c'est un logiciel qui joue le morceau, c'est un peu. Enfin, c'est pas très. Oui. Voilà, il n'y a pas toutes les nuances, il n'y a pas le côté swing, etc. Donc évidemment, c'est un peu. Bon, il y a moyen de faire mieux, évidemment. Oh ben, c'est quand même pas comme ça. Non, mais c'est le logiciel quand tu joues le morceau, c'est pas comme une interprétation humaine, évidemment. Donc, bah, ok, bah, je jouerai ça. Donc, si vous voulez, on se refait ça dans. Alors, je sais pas si dans 2 semaines vous serez là. Si, peut-être. Le 22 décembre. Moi, je peux refaire une séance le 22. Oui, je crois, je pense. Voilà, ce qu'on fera pour la prochaine fois, c'est qu'on se fait une autre composition avec une autre manière de faire. Ce qui serait pas mal, c'est que vous proposez par exemple des motifs mélodiques, on les développe, on écrit une mélodie et après on trouve les accords après. Ça peut être intéressant de faire l'inverse. Oui, faire l'inverse. Oui. Généralement, c'est comme ça que je fais. Je commence par un motif mélodique. Je me dis, tiens, pas mal ça. Ah, puis je développe un peu. Je dis, bon, c'est quoi l'ambiance là? Puis qu'est-ce que je mets comme accord dessus, la tonalité, tout ça. Et puis une fois qu'on a trouvé, après on finit la composition, quoi. Donc on peut faire ça dans 2 semaines. OK? Oui, ok. Super. Bah, en tout cas, bravo de votre participation. Donc on se dit à dans 2 semaines. Allez, merci à toi. D'accord. Merci beaucoup Bertrand et bonsoir, Oui, bonsoir bonsoir. Bertrand et bonsoir Mike. Bonsoir Carmen. Bonsoir Bertrand. Merci beaucoup Bertrand. Au Merci revoir. beaucoup.